bonjour Milek, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis totalement pressée de faire. Oui je sais, c'est dans le même jour, enfin normalement vous l'aurez, bah oui, vous l'aurez mercredi normalement, enfin le mercredi. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur mon handicap. Je suis très contente. Des commentaires, vraiment ça me fait chaud au cœur, j'ai envie de pleurer parce que vous me dites que vous me respectez, enfin c'est un truc de malade, enfin là je suis à deux doigts de pleurer quoi, tellement vous êtes adorable, vous êtes tellement, enfin I love you so much. Donc je vais commencer avec les questions de la vidéo, je m'explique. Question on avait déjà et tout simplement bah, m'est venue l'idée de faire justement une espèce de FAQ sur ça. Donc alors, on va commencer avec Monster High. J'en ai des handicaps. Ah ouais, donc si ça te dérange pas, tu peux les dire en commentaire parce que ça m'intéresserait beaucoup. Je savais pas que tu étais sourde, en tout cas je te respecte. Bah merci beaucoup, c'est super sympa. Non, j'avais dit à personne sur YouTube, j'avais dit que à des personnes que j'ai en Skype. Et voilà, j'étais pas vraiment prête et là maintenant je me suis dit, allez, let's go. C'est pas que j'avais honte, hein, c'est que j'avais peur que vous me preniez mal ou que vous pensiez que je m'invente une vie. Enfin, Camille Monster, mais est-ce que tu entends ce que les gens te disent? Te dis, c'est pas très français. Oui, j'entends. J'entends avec un appareil qu'on a. Comment je peux dire? Qui est avec un aimant, donc je vais vous le montrer. Alors si je l'enlève, je n'entends rien du tout, mais vraiment rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez crier, vous pouvez faire démarrer un avion ou je sais pas quoi, je n'entendrai rien du tout. Donc voilà, donc c'est voici mon appareil. Donc c'est un appareil que ici je mets autour de mon oreille. Donc là, j'entends rien, je m'entends même pas parler. Donc voilà, là j'entends rien du tout. Rien du tout. Ça me fait bizarre de filmer une vidéo, j'entends rien. Donc voilà. Et ici, j'ai mis un contour dans mon oreille. Et ça, en fait, je le colle à ma peau. Car quand j'étais petite, on m'a implanté un aimant. Oula. On m'a mis un aimant sous la peau. Et du coup, ça permet de connecter. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer. Je vais juste essayer de pas me montrer. Voilà. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, bien, bien. Donc voilà. Donc oui, j'entends grâce à cette petite chose merveilleuse que je porte tous les jours. Bah oui, en même temps, c'est un peu obligé. Ensuite, Lord Night Shadow. J'adore ton pseudo. Alors, je comprends ta réaction, ne t'inquiète pas, on ne prend pas ça pour un clash et vraiment je trouve que c'est génial. Tu as voulu faire des vidéos super bidées, on ne voit pas ça tous les jours. Bah merci beaucoup, c'est très très sympa. Donc oui, bah, j'ai décidé de faire des vidéos parce que j'aimais tellement en faire quand j'étais petite et je me suis dit, bah voilà quoi. Sweet Dreams, alors c'est la fille qui a laissé les commentaires après. Tant mieux si tu as une belle vie et je ne prends pas ça pour un clash. Tu peux me faire toutes les réflexions que tu veux, je ne les prendrai pas mal. Merci beaucoup. Donc, ouais, merci de pas être fâchée, mais je veux vraiment que vous. Enfin, je voulais partager avec vous ma vision des choses. Ensuite, Camille Monster, encore une fois. Je te respecte à fond parce que dans ma famille, plein de gens ont dit handicap. Donc, PS, tes vidéos sont super continues. Merci. Bah, dites-moi en commentaire si ça m'intéresse. Alors, Vandala de Blues, je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question. Comment fais-tu pour entendre? Est-ce que quelqu'un te traduit ou quelque chose comme ça? Donc, comme je lui ai dit précédemment, c'est avec un appareil. Donc, l'appareil que je vous ai montré. Mimi Monster, love you. Je suis contente que tous tes abonnés te respectent. Bah, moi aussi, c'est vraiment un truc de malade. Je pensais pas que des personnes pouvaient autant être attentionnées, autant être. Voilà, vous êtes géniaux, je vous aime. Petite pulipe de rêve. Alors je lui ai dit ça.